Salut les gens, c'est Slan. Cette semaine, on se retrouve sur CK2 pour 4 épisodes un petit peu spéciaux. On va parler de tout ce qui est gore, de tout ce qui est charnel. Donc, si vous êtes trop jeune ou trop sensible, merci de ne pas regarder ces épisodes. Ils ne sont pas faits pour vous. CK2 peut être parfois un petit peu cruel. Les autres, nous allons nous plonger dans l'empire du mal. Les capitalistes. C'est parti, Doge Morisio de Venise en 1769. Alors j'ai fait le démarrage comme d'habitude en Iron Man pour avoir un petit peu d'intrigue. Et surtout, je vous ai passé les 4 heures pendant lesquelles j'ai invité tous les courtiers possibles. Je n'ai rien fait d'autre que des invitations. Voilà. Alors de quoi on va parler pendant tout ce temps? Eh bien on va parler des focus. Ah bah si, vous voyez, j'ai déjà choisi intérêt, séduction. Voilà, vous l'étiez déjà par défaut, je ne sais pas. Je pense que je l'ai choisi. Donc on va choisir l'intérêt séduction et on parlera aussi de l'intérêt d'intrigue. Mais on va aussi parler beaucoup des sociétés. Les sociétés secrètes et on va parler des adeptes de Lucifer. Les adeptes de Lucifer sont une secte très puissante. Lorsqu'on a déjà le pouvoir, pour le conserver, on peut rendre malade les gens et donc en hériter. On peut les enlever, ça marche quand même relativement moyennement. On peut aussi on peut faire des tas de choses, vous allez voir, on va en reparler. Mais ça permet aussi d'accéder au stade final à quelque chose qui est absolument extraordinaire, qui se trouve être le fils du démon, qu'on peut engendrer nous-mêmes. Alors c'est quasiment plus puissant que l'immortalité, et je ne sais pas si ça se trouve, on peut faire les deux en même temps. Alors, pourquoi pas? Ceci dit, en 2 heures, on n'aura probablement pas de fils du démon. Je vous montrerai juste comment on peut faire. Allons-y, perte de titre lors de la succession. Tout à fait. Il faut, pour rester doge, il faut avoir un fils qui hérite et qui soit... On va aller directement voir la succession. Elle est probablement... Oh, révocation des titres. Réunion du conseil. Comment ça, réunion du conseil? D'où ils veulent conseiller eux. Eh ben ça commence bien. On va choisir nos bonhommes juste après. Alors, je vérifie que je n'ai rien oublié. Complot. Eh ben si, on va bientôt commencer les complots juste après. Société, tout ça. Alors, l'une des premières choses à savoir lorsque vous allez jouer dans les républiques, c'est qu'il faut rusher le manoir. Rusher le manoir, rien que le manoir ne construisait pas le moindre truc. On viendra plus en détail un jour sur les républiques, hein, mais construisez le manoir vous donne une limite de comptoir, et cette limite de comptoir vous permet de prendre les meilleurs comptoirs le plus vite possible. Alors, quel est le principe pour les comptoirs? C'est une question de nombre, point, barre, pas plus compliqué que ça. Ici, dans le golfe de Venise, il y a 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 comptoirs qui peuvent agir. Le port, il est de quel côté là? 14 comptoirs. Il en faut donc 8 à votre nom pour dominer le golfe de Venise. Après, mer Adriatique, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il en faut 4. Voilà, si vous voulez faire une grosse zone commerçante très profitable, vous devez avoir le nombre de comptoirs qu'il faut pour dominer la région, c'est-à-dire en avoir la majorité tout simplement. Qu'ils soient upgradés ou non n'est pas très important au départ. Alors, on ne va pas jouer beaucoup à un jeu de conquête. Et je vais faire passer le premier mois, vous allez voir, ça va piquer un petit peu les yeux. Mais avec ça, on aura de quoi faire. Des bons conseillers, des bonnes courtisanes, l'intérêt de séduction qui va avec... Car très souvent, quand on est une république marchande ou quand on joue dans les adeptes de Lucifer, on a besoin de beaucoup d'enfants. Et avoir beaucoup d'enfants, eh ben, ce qui est très utile, c'est d'avoir beaucoup de gens à la cour pour avoir plein de concubines potentielles, concubines ou amantes. Et, si possible, avoir pas mal d'enfants. Qu'on pourra ensuite sacrifier, notamment les filles. Fuir, hein.
Bah écoutez, l'acheter, ça serait pas mal. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Qu'on organise un, alors un groupe de chevaliers rang 1, alors qu'on organise un festin à leur honneur. Non. Je les accueille à contre-cœur. Je leur refuse d'accès. Bah non, certainement pas. Voyez, j'avais lancé au début de partie 191 invitations, autant vous dire que 213. Ça m'a pris du temps, ça aurait pris tout un épisode. Il semblerait qu'en début de partie, tout le monde veuille rejoindre 240. Tout le monde veuille rejoindre les républiques marchandes. Je ne sais pas pourquoi. Vraiment, je ne sais pas. J'ai beaucoup en diplomatie, peut-être. Ah bah oui, j'ai beaucoup en diplomatie. Voilà pourquoi. Eh ben, on va y arriver. Rien que ça, c'est long. Je vous assure que c'est moins long que tout à l'heure, ce que j'ai passé comme temps. En général, ça prend un mois maxi pour que tout le monde rejoigne. Donc on devrait bientôt être débarrassé. Alors, encore des chevaliers errants. Alors, je lui permets de rester au château pour que je réplique, oui. Bien sûr. Bon, ça y est, c'est fini. On y est. Alors, on va choisir notre poste. On a un intendant et un maréchal qui sont fidèles. Donc on ne le change pas tout de suite. Oh, lui, il est mauvais en tout. On pourrait peut-être en faire notre maître espion. Non, parce que notre maître espion, pour l'instant, il est mauvais de toute façon. Donc, ah, là, on a du monde, vous voyez. Hop, un chapelain fidèle. Et lui, par contre, il est très bon, donc on va le laisser. Et on va passer notre première loi. Waouh! L'intendant et le chancelier. J'ai dû confondre. L'intendant, je croyais qu'il était fidèle. Apparemment pas. C'est pas grave, on en a un meilleur. Encore plus fidèle. Donc on va pouvoir passer notre loi. Oui. Hop, la révocation des titres, c'est très important. Hein. À tout le temps. Faut tout le temps que ce soit la première loi. On a envie de faire la centralisation. Bien qu'avec Venise, ce ne soit pas prioritaire. On n'est pas prêt d'avoir quatre trucs. Je vais les placer, je vais les positionner. Je pourrais éventuellement essayer d'aller faire une conquête. Les Slaves, ils sont puissants. Hein. Les Slaves, ils sont puissants. Par contre, ça, c'est des iconoclastes orthodoxes. Ah oui. Ouais, pourquoi pas. On pourrait essayer de les avoir. Hop là. Alors vous devez avoir des terres à vous quand vous êtes dans une. Quand vous jouez Venise par exemple. Vous devez vraiment avoir vos propres terres parce que quand vous perdez Venise, le contrôle sur Venise, bah vous gardez justement votre fief qui va vous servir de support et vous servir pour faire des troupes, tout ça. Alors, j'en étais où? Je plaçais mes gars. Voilà. Lui, il faut pas qu'il meure, hein, le temps qu'on vote. Et ça. Alors évidemment, si vous partez dans les worshippers, derrière les suivants du démon, surtout ne faites pas ça à 12% de chance par an qu'ils vous trouvent, hein, ou quelqu'un d'autre, mais bon. On va rechercher les progrès. En général, je recherche les progrès culturels, voilà. Ça sert souvent à rien. Bon, au moins, il me dérange pas. Vous pouvez mettre un mauvais aussi, hein, un mec super mauvais, là, en chapelain. C'est parfois très utile. Donc, une ambition. Écoutez, trésor de guerre, c'est très bien. Voir le pays se prospérer, devenir roi de Venise. Ça me ferait du prestige, mais bon, pas un peu facile de devenir roi de Venise. Sinon, il faut une deuxième couronne de duc, je parie. Voilà, il faut deux titres du coup. Ce n'est pas facile. Se faire un ami, voir le pays prospérer, constituer un trésor. Ça donne un impôt. Regardez surtout, regardez, avant de regarder ce que ça vous propose, ce que vous demande pour réussir, regardez surtout ce que ça va vous rapporter. Modificateur global d'impôt plus 10%, c'est inutile. Gain de 1 en entendant, ça c'est super. Donc je vais prendre ça. Voilà. Et on va pas faire de guerre pendant 5 ans, c'est pas un problème. Embaucher un physicien, je pense que j'aurais pas besoin. On va décerner tout de suite la régence. Ah bah mon héritier, c'est parfait. Et mon héritier désigné. Eh bien, ça va être. Je crois qu'il n'y a pas de doute. Hein.
Il est nettement meilleur. Hein. Le physicien de la course, ce sera lui. Et je suis pas marié. Alors, je vais attendre un petit peu pour me marier. À moins qu'il y ait quelqu'un de vraiment, vraiment badass qui soit en train d'attendre. Qu'on se marie à elle. Waouh, maîtresse séductrice. Ah, fort, c'est bien ça, fort. Elle a 8-17 en intrigue. Moi, je pense que ça va faire un bon soutien. Ah, tout le monde est concerné, bien sûr, de l'or, hein, toujours de l'or. Ok, et mon héritier doit se marier. Eh ben, j'avais vu une fille qui était un petit peu... alors, évidemment, quand vous mariez votre héritier, vous avez toujours intérêt quand même, au début, à prendre... Voilà. Aller chercher une relation qui va vous faire une alliance. Ça va l'aider au début. Ça, c'est moi, ça. C'est pas mon fils. Et... Donc, par exemple, elle, Amalfi, bah non. Ah, si, Amalfi, c'est une autre famille. Elle peut être sympa. Elle peut être pas mal, elle. Alors, j'hésite. Parce qu'ici, on a du vif. On va aller regarder s'il y a des bloodlines qui traînent dans le coin. Quoiqu'elles vont pas les transmettre à mon héritier, suis-je bête? Faudrait de bloodline matrilinéaire et ça n'arrivera pas. La forte, c'est pas ma femme. Non, c'est pas ma femme. Il y en a une deuxième de forte. Mais écoutez, on va essayer de prendre l'autre fils. Voilà, qui a 17 ans. On va prendre la femme qui est forte. Elle doit être assez facilement trouvable là. Voilà, hop. Il se marie. Lui, on va essayer de le marier avec une alliance. Amalfi, je pense, ou une grecque. Elles sont toutes grecques. Allez, hop. Voilà. Allez, tout ça, c'est fait. Donc, moi, je vais essayer de séduire des gens. Et qui je vais essayer de séduire? Eh bien, des gens qui vont m'aider pour les assassinats. Parce que, figurez-vous que, en tant que doge de Venise, la priorité, bien entendu, c'est d'assassiner tous ceux qui sont pénible. Comme lui, par exemple. Non, il semblerait que lui, ça soit pas trop dur. Vous voyez, tous mes courtisans que j'ai fait venir, je monte à 500 d'assassinats avec lui, avec les courtisans que j'ai fait venir. Et hop. Donc quand je vous dis, faites venir des courtisans, ça va vous rendre riche et ça va aider pour les... pour les complots, je rigolais pas avec les complots, vous voyez. Hop. Deux secondes plus tard, il est mort le mec. Hein. Alors la réputation, faut pas rêver. Hein. Avec ça, il y en a toujours un qui va craquer. Hein. Votre réputation sera fichue toute votre vie. Faudra faire avec. Hein. Alors les worshippers, et qui je vais séduire? Je voudrais peut-être séduire. Est-ce qu'il y en a un qui a une femme? Non, t'as pas de femme, toi. Toi, t'as toujours pas de femme non plus. Ils ont pas de femme. Ça, c'est dur. Il y a une autre personne que j'aimerais bien séduire. C'est elle. Voilà. Hop. Hein. Pourquoi pas. Faut viser haut dans la vie. Il a survécu. C'est pas grave. Ça va pas prendre longtemps pour que ça se refasse. Et hop là. Deux secondes plus tard. Donc vous voyez, j'ai passé beaucoup de temps à inviter tout le monde. Vous pouvez éventuellement trouver ça pénible. Cependant. Ah oui, j'ai oublié de faire mon... Alors, évidemment, vous faites votre comptoir ici. C'est la priorité des priorités. Le comptoir de Venise, quoi. Alors au début, pour l'instant, nous allons avoir, nous, un sur un de comptoir. Vous voyez, on est tranquille. Rien de presse. Non, non, on va prendre notre temps, vous inquiétez pas. Exiger une compensation financière. Tout le temps. Voilà, ça rapporte 50 parfois, parfois rien du tout. Et voilà, il est mort. Oh, mais quelle tristesse. Il a 845.
C'est pas le danger. Le danger, c'est lui. Ça sert à rien de s'acharner sur lui tant que lui existe, hein. Bonjour monsieur, 260, ça va suffire. Vous avez le cap qui est à 200 pour les assassinats à 200. Ça se déclenche quasiment instantanément. À 150, ça va vous prendre plusieurs mois, mais ça sera dans l'année. Et quoi? Mais vraiment? Oh, ça serait déplacé. Je vais donc dans sa chambre. Non, non, mais j'abandonne pas, alors là, tu peux rêver. Et hop là. Et nous passons un bon moment, j'imagine. Vous pouvez choisir votre héritier, alors allez-y, hein, faites-vous plaisir. Allez. N'a pas bu le vin, mais le complot n'a pas été découvert, vous inquiétez pas. Ah, je suis contacté par les... voilà, la société secrète des adeptes de Lucifer. Donc vous faites tout ce qu'ils vous demandent. Ma réputation est encore une fois détruite. Voilà, le sabbat va me contacter. Alors vous avez intérêt à prendre pour amante ou à vous marier avec la fille qui va venir vous voir. Elle a souvent des qualités hors pair. Donc continuez à attendre des nouvelles instructions. Oh, merde, mon amante vient de m'en... Elle est enceinte. Run press. Oh, aïe aïe, il est mort. Mince, c'était mon maréchal. Le vote est passé, je peux prendre quelqu'un de doué et en plus ça lui fera plaisir. Voilà. Alors, voyons, voyons. Qui est plus puissant que mon petit enfant? Alors, votre enfant, vous allez devoir faire de lui votre régent, votre... Alors, plus 6, plus 10, grand amiral ou grand magistrat. Voilà. Et vous allez devoir lui permettre de éventuellement former une compagnie militaire, mercenaire s'il peut, pour gagner du prestige. Pour le reste, il faudra le nommer au conseil. Mais je ne sais pas pourquoi je peux pas le nommer. Ok, et on doit le nommer commandant aussi. Ah oui, c'est ça. Vous devez le nommer commandant, votre héritier. De toute façon, dynastie, c'est tous les enfants de votre famille qui doivent être nommés commandants. Alors, comme on va souvent passer beaucoup de temps à fouiller pour essayer de retrouver les gens de notre famille, on va se faciliter la tâche. Très simplement en prenant un blason coloré d'une façon un petit peu particulière. Hop là, coupé plein, voilà. Non, le noir n'est pas si noir que ça parce que vous voyez, on n'arrive pas à voir des trucs. On va prendre quelque chose comme... Ah, ça c'est beau ça. Voyez, notre famille. Je vais les appeler encore les Borgia, tiens, c'est parti. Maison Borgia, ça me paraît bien. Alors là, normalement, maintenant, quand il va falloir nommer des gens commandants, je classe par dynastie et hop. Vous voyez, ils sont là, je les ai vus tout de suite. Hop, un là. Lui, je classe par dynastie. Et hop, il est là, l'autre. Voilà, on les nomme tous commandants. Comme ça, mon fils, mon héritier, le prestige, il gagne 4,5 par an. La langue d'un saint. Il a un objet, dis donc, mon fils, super. Compétence diplomatie, mais régent désigné 1,5. Grand magistrat 1,2. Héritier 0,4. Commandant 1. Voilà, il gagne du prestige et le prestige. Ça contribue ici au pouvoir. Critère d'âge, beaucoup de points, mais le prestige 8 et fonds de campagne. Combien il a de prestige? 8. Il a 4 de prestige et ça lui fait 8 points. Donc, bah mine de rien, ça va vous économiser un petit peu de sous. Dès qu'on pourra. Alors, vous pouvez reprendre vos fonds de campagne. Donc, vous avez toujours intérêt à faire ça. Voire même, et ça, c'est ce qu'un truc qu'on fait très régulièrement au début. Vous faites ça. Voilà. Et comme ça, c'est votre héritier qui hérite. Alors évidemment, petit à petit, bah, vous allez faire baisser cette caisse et récupérer l'argent. Vous en aurez besoin pour faire autre chose, hein.
Voilà, pof, pof. Ensuite, donc ça vraiment emprunté, quand vous débutez la partie en République, vous faites ça vous coûte de l'argent, mais au moins vous gardez le contrôle. Vous pouvez normalement garder le contrôle quasiment tout le temps, hein. Surtout que là, je vais pouvoir retirer de l'argent bientôt, parce que je vais expliquer à monsieur. Oh, il a une épouse. Et comment ton épouse? Alors, elle est comment ton épouse, s'il te plaît? Oh, pas terrible. Toi, t'as une épouse, non? C'est dingue ce qu'ils ont. Ils ont jamais d'épouse. Alors, faut pas hésiter à tuer des épouses aussi. Bossu, c'est très bien ça, bossu. Garde ton épouse. Ça leur permet d'avoir moins d'enfants. Allez, on va rentrer enfin dans la confrérie des worshippers. Ici. Ça y est, le messager va arriver. Ça sera sûrement une belle messagère. Ça va aller, vous inquiétez pas. Alors, elle est quoi, elle? Eh ben voilà, elle est belle. Elle a tout ce qu'il faut. Enfin, elle est belle, voilà, façon de parler. Elle a la luxure et tout, donc il faut en faire rapidement votre femme. Donc, hop, on va la mettre là, en favori, pour pas la perdre. Et on va se débarrasser de notre femme rapidement. On participe au rituel, bien sûr. Et je veux venir à moi avec elle, par contre. Est-ce que j'ai perdu? Voilà. J'ai une amante ici. Mais j'en ai une qui est en train d'essayer d'être séduite. Ça marchera pas. Alors, on continue. Donc, les assassinats, je vous rappelle les seuils. 100, il se passe presque. 100, c'est le seuil de déclenchement à très long terme. 5, 150, c'est le seuil de déclenchement à quelques mois. Et c'est viser vraiment, vraiment les seuils, hein, c'est très important. Restez pas à 148, payez cher s'il le faut pour passer au-dessus de 150. Oui, bah oui. Surtout qu'elle est enceinte, la pauvre. Et la garder comme maîtresse. Faire une vraie dame et la garder comme maîtresse, bah oui. Alors, charmeur de domestique avec tes effets suivants. Ah, c'est pas mal aussi, hein. Ah, bah non. À la cour. Ouais, mais si elle est très bien. Non, on va la faire venir. Elle est où, Carola? Alors là, Carola, par contre, c'est bien beau, mais. Elle est où? Ah, voilà. Une de mes amantes. Mais je croyais qu'elle. Ah oui, elle est quand même pas mal, hein. Elle a la beauté, elle a la vivacité. On va avoir des beaux enfants, hein. L'intérêt de séduction, ça vous permet de créer ce genre de personnage-là. Donc oui, ne sous-estimez pas l'intérêt de séduction. Ça vous permet de créer des personnages puissants qui sont en fait des favorites. Et qui sont créés avec quasiment tout le temps beauté et parfois vivacité, voire génie. Et ça fait des merveilleux enfants. C'est une des façons les plus faciles pour faire rentrer des traits génétiques dans la famille. Alors j'aimerais bien prendre pour 40 la Glacina. Je vais lui montrer mon intérêt. Ah non. Je ne vais pas abandonner tout de suite. La Basilea, c'est quelque chose qui se fait. Après, vous avez un achievement pour en séduire 10. Alors, comment ça marche le meurtre là? Ça prend son temps quand même, hein? Ah, j'ai une fille de qui? Encore mon amante. Il faudrait peut-être que je m'en sépare d'elle. Ouais. Allez, tire-toi. Tu peux rester à la cour. Alors qu'on légitime l'enfant, bien sûr. Je reconnais. Voilà, on la légitime. Une belle enfant grecque. Ah, son cœur sera mien. Voilà. Avec un petit peu de patience. Bon, bah l'argent, hein, tout le temps l'argent. Alors déjà en temps normal, mais alors là. Un comptoir a été formé. Alors ensuite, vous pouvez ne pas oublier d'aller fouiller ici. Voilà. C'est comme ça que vous savez où vous faites vos comptoirs. Vous voyez? Là, on a envie de faire les comptoirs ici. 45, 58. Hein, vous n'allez pas faire votre comptoir ici.
Soyez plus malin. 59, c'est pas mal là-bas aussi. Alors, au début, pour déposer une zone, comme je vous ai dit, il faut la majorité. Là, on a des maisons qu'on en fait un, donc il faudrait qu'on puisse faire rapidement un deuxième comptoir ici. Mais je suis déjà au max. Mais on peut passer au-dessus du max. En tuant les gens là, s'ils n'ont pas d'héritier, vous récupérez un comptoir, vous ou quelqu'un d'autre. Ça sera forcément quelqu'un qui n'est pas au max. Mais comme tout le monde est au max, si je tue lui et qu'il n'a plus de descendance, il en a un pour l'instant, mais s'il n'a plus de descendance, eh ben quelqu'un va récupérer son comptoir, c'est pas forcément vous, mais ça peut être vous. Non, j'arrête pas. Vous êtes ami avec elle. Bon, donc les assassinats pour maintenir notre enfant sur le crime. On a vu que la société secrète, bah, ça va prendre un petit peu de temps, avouer son amour, mais c'est clair. Oh bah oui, non, on va avouer son amour, on va pas être faire de trucs lubriques. La poésie et la culture. Oui. Poésie et culture. Ah voilà. Rougissante et balbutiant. On va se la faire. Moi je vous le dis, on va se la faire. Baoum. Je crois qu'il va y avoir du badaboum. Quelqu'un veut le tuer, mon fils Léon. C'est pas grave, j'en ai plein des fils. Et si c'était lui, bah il n'est plus. Ah, il me faut un nouveau chancelier du coup. Hop là. Donc, allons voir à Venise ce que ça donne. Zéro, c'est un gamin. Mon fils, on va pouvoir me donner un peu de thunes. Hop là. 1035, c'est lui. Voilà, vous avez un icône dès que c'est plus bon, hein. Surveillez-le bien quand même, hein. Bon, ils ont un petit peu trop, eux, hein. On va continuer, hein. Alors, vous pouvez aussi essayer d'aller récupérer la fortune d'une famille. Par exemple, eux, ils ont 102, vous voyez, mais il faut tuer tous les enfants. C'est long. Mais bon, ça vaut le coup, hein. Moi, j'aime bien tuer les familles, on récupère les comptoirs, on récupère des tas de trucs. Faut pas hésiter. Donc les gosses, là, les quatre gosses, là, on va essayer de s'en débarrasser vite fait. Alors ça, vous impliquez vous-même dans l'assassinat. Ça évite d'être trahi. Mais par contre, si vous faites repérer, si vous êtes repéré directement. Je suis tuteur, moi. Ouais, je suis tuteur, ne soyez pas tuteur. Mon fils, Léon, va devenir tuteur. Et elle, je vais lui assigner un tuteur pour qu'elle me fiche la paix, parce que sinon elle va revenir. Hop, voilà, hop, comme ça. Et elle doit apprendre par elle-même. Reine presse, elle va le faire, vous inquiétez pas. Alors, les worshippers. Oh, ben voilà, mais déjà. Même pas eu le temps de le voir passer. Était tellement vite. Un mot disant de me rejoindre près de la rivière. Discrètement, allez. Un nouveau plan. On va y arriver. On y va. Il a 200 maintenant. Bah écoutez, tant mieux. Moi j'ai 400. On approche du seuil pour pouvoir faire notre truc. Notre manoir. Ah! Voilà la première mission. C'est très excitant. Alors, venez à son service. Nous avons personne parfaite sur le sol. Capturer et sacrifier une personne vierge avec plaisir. Donc, une personne vierge. Bien, par exemple, un enfant. Alors, on va essayer d'aller. Hop là. Et dis donc, qu'est-ce qu'il me veut lui? Nommer le successeur. Et bon, on va prendre quelqu'un qui m'aime beaucoup. Bah, par exemple, un autre fils. Ça serait bien un autre fils. Lui, il peut être successeur. Voilà. Il ferait un très bon archevêque ou je sais pas quoi. Alors, lui, il est mort. Et on va essayer de capturer celui-ci.
Normalement, on a la possibilité de capturer. Ils sont trop jeunes. Ah! C'est ennuyeux. Comment je vais pouvoir capturer une vierge? On y va. Alors, pour capturer, il faut. Maintenant, vous présentez quelqu'un de rang inférieur à un duc ou parent de quelqu'un d'un rang inférieur à un duc avec l'aide de vos frères, des adeptes, en échange de pouvoir obscur. Faire un clic droit sur leur portrait. Ça ne marche pas sur. Alors. Ça n'a pas l'air de marcher. Je ne le vois pas. Recruter pour Satan. Emprisonner. Bon, bon, on peut, ceci dit, on peut emprisonner directement. Hein. Ne soyons pas stupides. Hop, quelqu'un qui m'aime pas trop et qui soit vierge. Voilà, un courtisan. C'est bien ça. Mais on peut pas l'emprisonner. Oh, tentez d'enlever, si, vous voyez. Allez, là, j'ai l'option. Hop là. Il a 5 ans, on a le temps. C'est parti. Alors, on soupçonne mon implication. J'approuve le complot. Comme d'habitude, c'est des idiots, ils ont raté. Ah, voyez, on fait plein de choses en même temps. On essaye de séduire, on essaye d'enlever quelqu'un. Oh, c'est pas grave ça. Oups là. Ça, ça veut dire qu'il faut aller mettre un peu de sous dans la machine. 1400. Eh ben, dis donc. Alors, j'approuve le complot. Voilà, on a réussi à l'enlever. Et maintenant. Alors, et maintenant qu'on l'a enlevé, il est prisonnier. Et alors, il faut faire quoi? Il faut faire. Prenez la vie de quelqu'un qui n'a jamais connu l'amour en guise d'offrande. Et ben maintenant, on va le sacrifier à Satan. Et normalement, c'est réussi. Voilà. Non. C'est pas réussi. Et donc. Si, c'est réussi. La mission est un succès. Ma réputation est détruite. Ça sera pas la première ni la dernière fois. Oh, dites donc. Il est malin ce petit jeune. Apparemment, quelqu'un a eu un enfant dans ma famille. Bon, écoutez, ça fait largement plus d'une demi-heure. On va continuer à essayer de découvrir les pouvoirs. J'espère que je vais pouvoir rapidement monter en grade dans la société secrète. Et aller un petit peu plus loin. J'espère que le dernier épisode... Il est possible que je fasse une petite pause avant le dernier épisode pour reprendre au moment où je serai grand prêtre. Je vous dis à demain. On va continuer à découvrir l'intérêt de séduction, les enlèvements, tout ce qui est maléfique, comment garder le pouvoir, comment éliminer les ennemis, hériter d'eux, leur prendre leur argent, tout ça. Parce que le mal, c'est bien. À demain.